Il fait noir. Voici Coco le clown et Coraline. Elles portent des lunettes. Il y a un objet rond et gris. C'est une secoue volante. Il sort. Réveille-toi, un petit extraterrestre. Et un robot qui s'appelle Martine. Chez eux, il n'y a ni animaux, ni roulettes, ni couleurs. Il y a noir, gris, vert et blanc. Chez Coco et Coraline, il y a des éléphants, un cirque, des animaux. Coco et Coraline invitent Bébé Toi et le robot pour une tasse de thé. Et Coraline montre à Bébé Toi des photos de famille. Il y a son père, un jongleur. Il y a aussi des couleurs comme jaune, orange, rouge, violet et bleu. Ici, le robot trouve le thé marron chaud. Et mouillé. Il y a aussi sa mère et dresseuse d'éléphants et sa tante Magali. Ils sont très petites mais très forts. Il y a aussi dans la photo deux éléphants. On trouve aussi la photo d'Adeline. C'est une acrobate au cirque et elle est très jolie. C'est sa cousine. Ils vont dormir. Le lendemain, le matin, à l'école de cirque, Bébé Toi salue les enfants et la maîtresse avec son robot. Mais le clown Coco porte un bouquet de fleurs pour Adeline, mais Adeline croit que ça fait une partie de spectacle. La cloche sonne et tout va diriger vers leur maison et Coraline et Bébé Toi dirigent vers où l'autre entre chez eux. Le spectacle. Coco, le clown, s'habille pour le spectacle, un pantalon jaune, de très grandes chaussures noires, une chemise rose et verte, un chapeau bleu et une veste. Il y a aussi le nez de clown et très rigolo. Le soir, le spectacle va commencer. Coco a de grandes énormes oreilles, une grande bouche rouge et un gros nez rouge aussi, et les spectateurs entrent dans le gros chapiteau. Ils distribuent des ballons aux enfants. Il y a aussi un petit vélo et ils saluent tout le monde. Le spectacle commence et les spectateurs sont très contents. Mais Coco, une autre fois, porte un bouquet de fleurs à Adeline, mais elle croit aussi que ça fait une partie du spectacle. Marche, mais elle perd l'équilibre, tout le monde surpris. Coco ouvre ses bras pour l'attraper. Mais Bébé Toi contrôle Martine et pour envoler les ballons des enfants, transporte tous les ballons au centre de la piste. Tout à coup, Adeline se précipite dans le vide, au milieu des ballons. Et à la fin, Adeline et Coco sortent des ballons
Quel spectacle magnifique!